Si tu veux abandonner la traditionnelle voie des sentiers battus, alors il faut que tu comprennes qu'est-ce qui fait que tu continues là-dedans. C'est quoi qui fait que tu es constamment bloqué là, à marcher sur les voies des habitudes, des trains-trains. Tout ce qui se passe dans ce monde nous a été légué. Et on ne veut pas abandonner. Et c'est ça, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, fait partie de la connaissance de ce qu'on répète. Et répéter, ça veut dire être sur ces sentiers battus. Qu'est-ce qui fait en toi que tous les schémas de pensée qui sont en toi se répètent tout le temps de la même manière? Et cela se fait par compulsion. Parce que ce que nous avons appris, c'est ancré dans nos mémoires. Et la mémoire, comme toute mémoire, tu regardes même dans un ordinateur, il y a une mémoire, elle va répéter ce qu'elle sait. Et elle va mettre en œuvre ce qu'elle sait. Et elle va te montrer ce que tu veux savoir à partir des données qui ont été déjà installées. Donc, il faut que tu voies quelles sont ces données que tu as, toi, acquis, et que tu chéris, parce que c'est ce que tu répètes et c'est ce qui te réconforte. Donc, tu continues à marcher dans ces voies qui sont les habitudes, les trains-trains, la monotonie de nos quotidiens qui se répètent tout le temps de la même manière, avec les mêmes pensées, les mêmes réactions. Nous sommes acculés à être dans un monde où tout doit se faire comme d'habitude. Autrement, il y a un disconfort, quelque chose qui dérègle, parce que toute la règle a été déjà établie. Comment tu devrais être, comment tu devrais vivre, comment tu dois manger, comment tu dois te comporter en face de toutes les situations qui viennent à toi. Donc, toute cette activité, il faut que tu ailles vraiment avec beaucoup d'attention, en tâtonnant, en étant diligent, pour voir vraiment quels sont les rouages dans lesquels tu es pris. Parce que ce qui doit se passer, va se passer. Mais toi, qui es une présence, qui est au-delà de tout ce qui se passe, puisque tu es l'esprit, tu es celui qui peut voir, celui qui peut percevoir ce qui se joue, alors tu peux être cette attention et regarder ce qui se joue de manière neutre, sans être dans le rôle de ce qui se joue. C'est comme ça que tu peux voir toutes tes pensées. Parce que les pensées, ce sont des activités de la mémoire et elles projettent des schémas que toi, tu penses que tu dois faire ça. Tu t'es identifié donc à ces pensées, puisque tu es le penseur. Et en fait, tu exécutes ce que la pensée propose. Mais parce que tu es identifié à ça, tu ne peux plus regarder ce qui se passe avec une vision neutre. Pourtant, tu es une perception qui peut voir au-delà de ce qui se joue. Tout ce qui se joue là, tu peux voir tout ça
sans t'identifier. Et c'est tout ce marasme de pensée-là qui converge en soi, qui crée toute la difficulté de la race humaine. Parce que nous sommes à ce moment-là dans un labyrinthe, le labyrinthe de notre psyché. La psyché, c'est l'ensemble de toutes les émotions, les réactions, nos envies, nos déboires, nos peurs, nos peines. Ça constitue la psyché. Et cette psyché, elle est en réaction constamment avec ce qui arrive, ce qui se produit, les situations que tu as en face de toi. Eh bien, tu réagis à ça avec tout ce que la psyché propose. Et en fait, c'est parce que tu réagis que toute la psyché se met en branle et tu as ces émotions-là. Et là, on est en train de dire que tout le fonctionnement de la psyché, elle est régie par ce que tu penses. Si tu penses, si tu réagis donc, tu vas avoir un mouvement de tes émotions. Et toute la psyché, dans notre civilisation, je dirais notre société, elle réagit toujours de la même manière. On sait ce que c'est avoir peur, on sait ce que c'est être jaloux, on sait ce que c'est être égoïste, parce qu'on est des êtres humains. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est juste de constater qui est important, constater tout ça, sans croire que c'est juste normal, c'est quelque chose qui doit être là et puis toi tu vis ta vie avec tout ça. Mais à ce moment-là, tu la vis médiocrement parce que ce n'est pas toi qui fais la vie, ce sont tes pensées. C'est le programme qui t'a été donné et dans lequel tu réagis, avec lequel tu réagis aux événements qui arrivent. Donc cette réaction, elle est compulsive. Et toutes ces réactions créent un labyrinthe au sein de toi-même où tu es confus, tu restes coincé dans tous ces mouvements qui se répètent tout le temps de la même manière sans que tu puisses trouver d'issue. Or, l'issue ne peut se trouver que si l'activité, cette activité qui se joue là, s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la réaction. La réaction de ce que la pensée propose. Tu réagis et tu es dans le mouvement. Puisque tu t'es identifié à la chose à laquelle tu as réagi. Parce que tu es l'acteur et il y a la chose en face de toi. Mais là, on est en train de dire, ne soyons pas l'acteur. Juste regarde. Regarde ce qui se joue. Regarde cette complicité en toi sans vouloir arranger, rien faire pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce que la devise du programme qui est la pensée, elle va toujours te montrer une voie pour trouver une solution. Mais cette solution, elle est constamment en train de se répéter. Parce que la pensée, elle est limitée. Elle est limitée à tout ce qui a été appris, toutes les conclusions qui ont été faites, et ce sont des références sur lesquelles on se base pour accueillir ce qui arrive. Donc tout ce qui arrive, toutes les réactions qu'il y a, elles vont se répéter toujours de la même manière. Il n'y a rien de neuf dedans. Il n'y a rien qui puisse nous sortir des sentiers battus que nous avons. Et pourtant, aller au-delà de tout ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que, au-delà des sentiers battus, il y a quelque chose de neuf, d'inédit, d'inconnu. Et tu dois y aller avec beaucoup de précautions pour tâter, pour
t'aventurer et être conscient à chaque fois de ce qui se joue. Et cette conscience, justement, c'est la liberté d'être à ce moment-là dans ces endroits où il n'y a pas de référence. Et là, tu commences à voir des issues à ton labyrinthe. Tu commences à apprendre la sagesse. Tu commences à apprendre qui tu es. Parce que, en sachant qu'est-ce qui se passe, alors tu réagis en conséquence. Mais ce n'est plus une réaction mentale, ni une réaction de ce que tu as appris, qui sont basées sur les références que tu as gagnées. Ce sont des réactions qui viennent en dehors de ce que propose la pensée. C'est-à-dire une réaction qui n'obéit pas aux lois de la répétition. C'est une réaction qui vient du plus profond de toi et qui agit avec l'environnement, mais d'une manière ordonnée, non compulsif. Alors, cette action que tu fais, ce n'est pas la tienne, ni la mienne. C'est l'action d'une intelligence qui voit au-delà de ce que la pensée propose. La pensée, elle propose le programme établi par les conclusions. Et tout ça, ça se répète. On a bien compris ça. Mais de cesser cette activité-là fait qu'il y a un silence total. Il n'y a plus la pensée qui vient. Donc à ce moment-là, il y a une intelligence qui vient à être. En fait, il y a une autre dimension qui émerge de toute la cohue. En fait, il y a une expression de la perception qui regarde le tout d'en haut, au-dessus de la scène, et qui voit ce qu'il faut faire pour que l'ordre puisse être rétabli. Parce que le programme, toutes tes pensées, ont fait des choses pour trouver une solution. Et toutes ces solutions ont créé du chaos, ont créé plus de demandes pour des solutions. Parce que la solution, elle ne sera jamais complète. Donc tu es toujours dans l'action de toujours mettre de l'ordre dans le chaos que tu as créé. C'est-à-dire ces pensées. Ces pensées ont créé le chaos. Pensées auxquelles tu t'es identifié, créer le chaos. Et ce chaos, eh ben, tu essayes de mettre de l'ordre. Et qui c'est qui essaye de mettre de l'ordre? Ben, ce sont tes pensées. Les pensées qui ont créé le chaos essaye aussi de mettre de l'ordre. Donc c'est interminablement répétitif. Ça ne s'arrête jamais. Alors ce que toi tu es, c'est une présence qui constate la pensée, qui constate ce qui se joue. Et cette constatation, c'est une intelligence. Qui fait disparaître l'activité de la pensée. Tu vois les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être, comme tu as appris, comme les références qui demandent toujours de répéter les mêmes choses, mais tu vois ce qu'il y a. Et là, tu acceptes. Tu acceptes sans rien faire. Tu vois ce qui se passe. Et parce que tu as accepté, alors tu es tranquille. Tu n'es plus, ton esprit n'est plus dans l'activité de vouloir
arranger, contrôler, trouver des solutions. C'est-à-dire la pensée, elle a cessé. Elle est en berne. Parce que tu as regardé, tu as vu, et que tu n'as pas réagi. Tu t'es abstenu d'aller agir pour contrôler, pour arranger la confusion qu'il y a là. En soi, toute cette confusion-là, c'est-à-dire cet égoïsme, ce désordre, cet égoïsme, ces jalousies, ces émotions qui sont en constante activité, tu as décidé de laisser ça être. Tu n'as pas aucune réaction pour pouvoir éradiquer ce qui se joue. Et alors tu es celui qui voit. Et à ce moment-là, tu fais connaissance de ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses et ce que tu es, c'est toi-même. Donc, tu fais la connaissance de ce que tu es. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que ce que tu es, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui se joue de manière mécanique, de manière à se répéter tout le temps. Parce que tu as les références de ce que tu étais, et tu prends ces références pour jouer avec les situations. Tu joues un rôle dans les situations. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous jouons tous un rôle. Le rôle de mère, de père, de président, de chauffeur, de nettoyeur, de tout ça, ce sont des rôles. Et nous sommes identifiés à ces rôles. Nous croyons être quelqu'un. Quand quelqu'un t'appelle, ben tu sais de qui il parle. Il a déjà donné une image de toi à travers ce que tu fais. Lui, il est riche. Donc, on te donne une image. Et toi, pour être connu, tu acceptes. Parce que, en fait, ça te fait exister. Mais si tu n'existes pas, à travers tout ça, si tu acceptes de regarder au-dessus de la scène et voir tous ces rôles qui se font, tout ce que la pensée projette, alors il y a là un mouvement autre que ce que la pensée propose. Il y a une perception qui voit tout l'ensemble. Et l'ensemble, parce qu'il y a cette perception, l'ensemble se transforme. Ne me prends pas pour homo. Il faut que tu le vives, ça. Tu vois ce qui se passe. Tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que c'est pas vrai. À ce moment-là, la réalité est restituée. C'est quelque chose qui doit être vécu. Parce que ça peut être une explication. Oui, j'explique là. Mais si ce n'est pas vécu, c'est toujours de l'explication que tu auras dans ta tête. Tu auras l'image d'une projection de comment tu dois arriver à là. Mais cette projection sera encore un programme de tes pensées qui te donneront l'envie d'aller vers cette chose. Et ça va être répétitif, répétitif. Là, il s'agit de le vivre. Parce que toute chose qui est vécue efface le passé, efface le futur, efface les projections de ce que la pensée peut proposer. Tu es là, dans l'instant où tout coule. Et cela
est sacré quand tu le laisses être. Donc il faut que tu aimes ce sacré pour que tu le laisses être. Parce que c'est la vie, ça. La vie, elle est sacrée. Quand tu n'interfères pas avec ce qui est sacré, alors le sacré, timidement, se montre. Parce que c'est fragile. Et nous sommes dans un monde turbulent qui empêche la fragilité de se mouvoir. Parce que nous voulons faire exister ce que nous aimerions, les références d'avant. Mais ce que tu es, c'est ce sacré. Ce qui est sacré, c'est vivant. Et c'est ça, l'expression de l'authentique soi. Si tu peux être cela maintenant, ça voudrait dire que tu as abandonné ce que tu penses être. Tu n'as plus de pensée. Tu es juste une perception qui voit au-delà de tout ce qui est différent, qui se meut dans la cohue. Tu vois au-delà. Tu as une vision de ce que le sacré est. Et alors tu mets en place, parce que tu es cela, tu mets en place le sacré. Le sacré qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui est inconditionnel, qui n'a pas de demain ni d'hier, qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça que tu es. Et on est en train de dire que ce que la pensée, elle est, c'est ce qui fut. Tout ce que tu as vécu, c'est mémorisé et rejoué. Et là, on est en train de dire d'être présent et être ce que tu es à ce moment-là. C'est-à-dire que cette présence, ce silence, où la pensée s'est tue, et bien là-dedans, il y a un esprit libre pour fonctionner, pour laisser passer ce que la vie, elle est. Donc, ton esprit est vide de pensée, calme, serein, silencieux, c'est-à-dire ton esprit est vide, vidé de la substance mentale, hein, et tu laisses la vie être. À ce moment-là, la seule chose qui existe, c'est cela. Rien d'autre n'existe pour de vrai. Puisque c'est de la mémoire, c'est de la répétition du passé que l'on fait. C'est ça, être présent. Être authentique. Être véritable. Et pour ça, il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais. Tout ce que tu as pu mettre en place dans ta vie. Toutes les connaissances que tu as. C'est-à-dire toutes ces mémoires que tu as amassées. Il faut que tu les abandonnes et les laisser être là où elles sont. Elles sont certainement utiles, ces mémoires, oui, pour fonctionner dans un monde matériel où tu dois t'activer à faire des choses pour pouvoir gérer la vie de tous les jours. Manger, dormir, se vêtir. À ce moment-là, la mémoire, elle est utile. Mais quand tu viens, avec cette mémoire, réaliser la vie que tu aimerais avoir, alors elle devient un problème, parce que tu n'es plus toi-même. Parce que ce que tu es, c'est l'émergence d'instant, de l'instant qui se joue. Et là-dedans, il n'y a pas de mémoire. C'est la joie que tu as d'être toi-même. Cette joie, elle vient parce que tu n'as plus rien à faire
pour être celui qui devrait être. Parce que tout ça, c'est une tracasserie, parce que ce n'est pas vrai. C'est la tracasserie de mettre en place ce que le monde attend de toi. Donc, toute cette activité use l'esprit. L'esprit est dans l'occupation constante. Elle n'est pas dans le silence. Elle ne sait pas ce que c'est être là. Tout ce que tu es à ce moment-là, pour de vrai, c'est le silence, la paix, l'ordre, l'amour, la joie. C'est ta nature. Ta nature, elle est cela. Mais tout ce qui t'empêche d'être cela, c'est ton mental, ces pensées que tu veux faire toujours exister, parce que c'est un programme. Et dès que tu as réalisé cela, alors tout s'effondrera, parce que seulement la vérité restera. À la fin, il n'y a que ce qui est vrai qui peut être tenu. Donc, base-toi là-dessus, sur ce qui est vrai, pas sur ce qui est faux. Laisse le faux s'effondrer, laisse le faux mourir, parce qu'il meurt, à lui-même. Okay.